Je sais pas vous, mais moi j'adore manger dans la rue. Dans cette rubrique, on va voir comment revisiter les classiques de la street food. Pour faire des wraps au caviar d'aubergine, il me faut des galettes de blé, des aubergines, des courgettes, de la laitue, des tomates séchées, de l'ail et du jus de citron. On commence par le caviar d'aubergine. Donc je vais couper les aubergines en deux dans la longueur, légèrement les creuser avec la pointe du couteau en faisant un quadrillage pour bien les cuire. J'ajoute un filet d'huile d'olive, un peu de sel et de poivre. Je recouvre de papier alu. Je vais passer au four pendant 30 minutes. Pendant ce temps, je vais faire les courgettes grillées. Je vais couper des rondelles un petit peu moins d'un centimètre. Dans une poêle avec de l'huile d'olive, je vais disposer des courgettes. On va les faire griller doucement. Je coupe finement les tomates séchées et je réserve. Quand les courgettes sont bien grillées, je les débarrasse sur du papier absorbant. Les aubergines sont bien cuites, je vais les débarrasser. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, on va simplement gratter l'intérieur de l'aubergine pour garder que la chair et mettre de côté la peau qu'on ne va pas utiliser. Je hache finement l'ail et je l'ajoute à l'aubergine. J'ajoute également un peu de jus de citron, un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et je vais mixer. Je vais maintenant laisser bien refroidir mon caviar d'aubergine. Je commence par le caviar d'aubergine que je vais étaler sur la galette. J'ajoute les courgettes grillées, les tomates séchées et un peu de salade. Ensuite, je vais rabattre légèrement les côtés à gauche et à droite. Et je vais venir rouler la galette en serrant. Et voici comment faire des wraps au caviar d'aubergine.